Hast du das etwa?
Une chanson maintenant. Dark is the shadow throne and disorder of the land dethroned. Lands tangle as they go down. A stubborn monarch's head uncrowned. Fiercely eyed and flaming pride, merciless men with fire in heart of the warrior fall, redden the roads of Breton. The king's guard struck by shame. Loss has robbed reputed name. No matter what our heroes choose. Merde, je regardais sur le côté. Award him life or insight. Ici, on va devoir ramer. Plus de voile! On ne peut pas naviguer à la voile! Je ne dois pas être vu. Vite, ma capuche. Ces soldats semblent bien tendus. Rien qu'un morceau de pain. Ça doit être bloqué depuis l'autre côté. Ah oui, c'est dommage. Pop, 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 pop. Une taverne. Ça doit être là. Merde. Je m'appelle Alan Chester et le vieux Nothelm. Tout à choisir une manière de faire. Merde. Si Dieu
Dieu le veut. Après. On y est presque. Merde, ils sont pleins. Faisons tomber cette crevure. Aïe, aïe, aïe. Là, il devrait pas me voir. Je suis caché. Merde, quel con. Pop, pop, pop. Bon, attends. Oula. Ils m'ont vu ? Merde, quel con. Qui m'a vu ? Déploie tes ailes, Sinine. C'est là. Sigurd n'est pas là. Je vais me renseigner. Ces soldats laissent toujours du sang derrière eux. C'est toi qui tiens cette taverne ? Tu n'es pas la bienvenue. J'ai eu assez d'ennuis avec des Danois pour la journée. Je ne suis pas venu te causer d'ennuis. Je cherche mon frère, un homme du Nord, imposant. C'est lui qui a créé tout ce fracas ? Lui et l'autre qui était là aussi à parler au Feingedrich. Ensuite, les soldats de Dame Edwin sont venus. Ils se sont battus. Ton frère et l'homme à la peau sombre sont repartis. Les soldats se sont emparés de Gedrich. Ça m'a fait de la peine. On l'aime bien par ici. De quel côté est parti mon frère ? Que donnerais-tu pour le savoir ? Je te pose une simple question. Écoute, Danoise. Si jamais tu te mets à cogner, j'appelle les soldats. Tu as l'air de le respecter, ce Gedrich. S'il parlait à mon frère, c'est parce qu'il souhaite ce qu'il y a de mieux pour ce comté. Peut-être que cela te plairait que l'Oxenfordshire soit libre et décide lui-même de son sort. Peut-être que tu es prête à agir pour ton village et que tu refuses le poids de l'oppression. Je crois bien que oui. Alors une femme telle que toi m'aidera à trouver les amis de Gedrich. Tu as raison, oui.
Ton frère et son ami sont sortis par cette fenêtre et ont filé en direction de la rivière. Je parie qu'ils se sont cachés dans une des cabanes à poissons. Ah bah voilà. Ok. Sigurd et Basim sont partis vers le sud. Ils n'ont pas pu aller loin. Je vais suivre la rivière. Suis le cours d'eau de la rivière. Merde, j'ai foutu le feu. Ah non. Va voir, Sinim. Ça sent fort le poisson. Parfait pour se cacher. Eivor. Ah, tu as failli finir en morceaux, ami des loups. Tu as les nerfs à vif, mon frère. Cela ne te ressemble pas? La moitié des soldats du comté nous traquent. Tu as dû t'en rendre compte. Voilà pourquoi tu n'es pas rentré chez toi. Tu joues à cache-cache avec les soldats de Mercy. Ton frère est très occupé, Eivor. Il a des devoirs urgents. J'ai grand plaisir à te revoir, Basim. Même si tu as laissé mon frère n'en faire qu'à sa tête. Mon rôle n'est pas de tenir ton frère par la bride comme une pouliche. Ce serait une idée. Mon frère, nous devrions être en train de forger des alliances. Renvoie cet homme avant qu'il ne te pousse à te fourvoyer. Eivor, par tous les dieux, je suis heureux que tu sois parmi nous. Nous avons fait de grands progrès en matière d'alliance. Un Feign d'ici appelé Gedrich m'a prêté serment. J'ai entendu ce nom. La tavernière a aussi parlé d'une certaine Edwin qui commande aux soldats. Pourquoi ne pas s'allier à elle? Le mari d'Edwin était l'Eldorman du comté. Jusqu'à ce que l'armée de Guthrum lui ôte la vie. Elle a repris le combat de son mari, avec la promesse d'une aide de la part d'Elfred du Wessex. Edwin a juré de se venger de la loi qui lui a pris son mari et ses moyens d'existence. D'après ce que nous savons, Elfred est un roi redoutable. Si Edwin obtient son soutien, le Wessex s'emparera de ce comté. Alors pour la combattre, tu offres ton épée à un Feign, sûrement à la tête d'une bande de paysans et de pêcheurs? Aie confiance, Eivor. Quelques centaines de Saxons armés de fourches et de serpes peuvent être... Par les dieux. Tous les hommes et les femmes, nobles ou paysans, ont en eux le germe de quelque chose de plus grand. C'est vrai. De tellement grand qu'un esprit ordinaire ne peut le voir. Quoi qu'il en soit, Edwin tient Gedrich. Votre belle manœuvre est tombée à l'eau. Pas si l'on fait vite. Elle a fait venir ses prisonniers dans la Maison Longue. Grâce à toi, on peut lancer une attaque surprise. Sigedrich est notre meilleure chance de conclure une alliance. Allons-y. La pierre de Palatine. Sigurd. Basim t'a-t-il fait mention d'une quelque récompense? Eivor, tu n'as plus foi en mes talents de combattant. Je tiens compte de ce que dit Basim, mais c'est moi qui commande, toujours. Il a pourtant l'air de quelqu'un qui ne croit qu'en lui-même. Basim est d'un naturel secret, mais il est sage et direct. Et il m'a ouvert les yeux sur une vérité magnifique. Il m'a promis une récompense si inhabituelle, si incroyable, qu'elle fera voler ton esprit en éclats. Mon frère, notre lien a le poids d'une hache de guerre.
Ne laisse pas Basim et ses prophéties de bonne fortune t'écarter de notre but. Jamais. Je n'oublie pas ce but. Nous serons bientôt les seigneurs de la Mercy, puis de toute l'Angleterre. Et Basim est d'une grande sagacité. Il a lu la sagesse sur les traits de mon visage, et entendu la litanie de mes ancêtres. Et... ah, nous pourrons parler de ma saga plus tard. L'autre, il se balade tranquille, pépouze. Ouais, c'est fermé, bien sûr. Sigurd, tue cette saleté de pécheresse! Pas un geste! Ce traître de Gedrich sera jugé, comme tous les saignes félons de ce comté. C'est toi la traîtresse, Edwin! A supplié Elfred du Wessex à demander l'aide de son armée! Tais-toi, Gedrich! Tu n'es que le chien des Danois! Tu vas tous nous vendre au Wessex! Et à ce maudit bâtard d'Elfred! Pas question! Tu n'es pas Elderman, Dame Edwin. Fais demi-tour et va-t'en, et nous te laisserons vivre. Vipère danoise à la langue fourchue, chien nauséabond, je vous conchis tous. Femme, tâche de mieux choisir tes mots, car tu as devant toi le futur maître de l'Angleterre, Sigurd, du clan du Grand Corbeau Affamé. Dépose les armes, libère mon ami, et baisse-moi les pieds. Je ne t'accorderai qu'une seule chance. Sigurd, qu'est-ce qui te prend? Et toi, tu peux embrasser mon cul vermeil, face de craie. J'en ai fini avec ces charognes, je vous les laisse. Écorchez les vivants et taillez-vous des selles avec leur peau. Qu'est-ce qu'on a fait? Quel bourreau que je vais retrouver! Dépassez-moi! Je peux me battre contre ces chiens! Chez toi.
envie de me battre. Il aurait fallu me détacher. Gedrich, voici Eivor, ma sœur au bras de pierre. Bonjour. Que voulais-tu faire, Sigurd? La charmer avec ton vague espoir de royauté? Une prophétie, Eivor. Pas un espoir. Ce n'est pas le moment. Edwin tient la plupart des seigneurs du comté. Si on la laisse faire, ils seront morts ce soir. Pense tes plaies, Gedrich. Nous allons libérer tes amis. Et cette sainte femme, Fulke, tu nous as promis une entrevue avec elle. Oui, c'est vrai. Mais je me demande pourquoi vous voudriez... Où est-elle? Le Seigneur Holt le sait. Fulke vit sur ces terres. Mais si vous n'empêchez pas ce procès, il mourra avec les autres. Dis-nous où nous devons aller. Leur vie dépend de l'agilité de ta langue. Au sud-ouest d'ici, à mi-chemin d'Oxenforda, la garnison de la villa de Lee. Basim, Eivor, à cheval. Ah! C'est reparti, Eivor. Toi et moi, l'âme en main et le cœur en flamme. Qui est cette Fulke dont Basim a parlé? Une alliée, Eivor. Une alliée cruciale. Une sainte femme qui livre des prophéties et des savoirs secrets. Ce n'est pas le genre d'alliance que nous recherchons, Sigurd. Non, c'est encore mieux. Tu n'as pas idée des découvertes qui nous attendent. Ton discours est bien étrange, mon frère. Parce que je déborde de vie, Eivor. Mon cœur brûle de l'ardeur du combat. Comme autrefois, n'est-ce pas? Oui, Sigurd. Comme autrefois. Tu te souviens de nos chasses au-delà de la Voie du Nord? Et de notre première prise, un cerf à 10 bois. Nous l'avons abattu ensemble. Nos flèches ont frappé comme des pointes de glace. Et nous l'avons dépecé, avec des tibias affûtés. Toi sur la droite, et moi à gauche. Nous avons bondi et frappé. Nous sommes retombés sur le sol comme des troncs abattus. Ensuite, le combat sanglant. Cette saleté m'a mordu la main. J'ignorais qu'un cerf pouvait mordre aussi fort. Mais je lui ai percé la gorge, faisant couler son bain de vie. Il a fini par mourir. Vous avez de ces histoires. Ce n'est qu'une entre mille, Basim. Mais cette journée fut la glorieuse aurore de nos vies. Tu ne m'as toujours pas expliqué qui est cette Fulke. Je le ferai, autant voulu. Elle est le pivot d'un plan plus vaste. Plus que la conquête de l'Angleterre? Quel serait l'intérêt pour nous? Patience, Eivor, patience. Soit. Garde tes secrets, mon frère. Mais si cette alliance échoue, tu risques de les emporter dans la tombe. Tu retrouveras la sérénité lorsque tu connaîtras toute la vérité, je te l'assure. Là, il nous reste du temps. Les procès ont lieu devant nous. Ma lame a soif, mes amis. Allons-nous foncer comme 3 tonneaux en flammes? Non. Mieux vaut rester prudent. Ne pas laisser le bourreau agiter sa hache. J'ai besoin de ta vue, mon ami. L'accès à cet endroit est interdit. Ils sont sur le point d'exécuter les prisonniers. Quoi déjà ? Yeah.
Tu t'es caché dans les buissons. Hey ! Merde. J'ai la tête sur les épaules. Ça va être chaud. L'ami, sors-moi de là tant que j'ai la tête sur les épaules. Arrête-toi. Alerte. L'ami, sors-moi de là tant que j'ai la tête sur les épaules. Ah, lui, faut que je l'assassine par contre. Là, quoi, non, cadeau. Je n'ai rien. Cette maudite cage, tu veux bien? Ne t'éloigne pas, il faut que j'aide les autres. Il est chiant lui. Thank you.
Je me rallie à Gedrich. Gedrich m'a envoyé te chercher. Partons sans tarder. Attends, parce qu'il y a des trucs sympas à pécho ici. La cloche, je peux pas la niquer en fait. Ah si, je peux. Attends, parce qu'il y a du stuff ici, là, je sais pas où. Ah, faut la clé. Très bien, elle est là. Ouh. Je dois passer de l'autre côté. Thank you.
Parfait. Voilà. La tenue d'assassin. Ah oui. Quelque chose qui explose. Où en trouver? Malheureux. J'ai pas des flèches explosives, moi. Attends. Ah bah, je suis bête. Bah si, c'était bon. Ah, c'est parce que j'utilise mal, en fait. Je suis bête. Bête. Oula, mais je suis en feu, moi. Hop là. Et bah voilà. On a tout vidé, là. On a tout plié. Je crois que c'est bon. Ah. Truc, là. Cette thune. De la tunasse. Faut aller là. Qu'est-ce que c'est ça là? Ah, il y a un gars qui s'est fait tuer là, non? Une attaque venue d'en haut. J'ai déjà vu des Saxons fondre ainsi sur leurs ennemis. Marcocello. Il s'est fait tuer. Naze. Ah, il y a des gardes là-bas encore et il les a... Attends, confirmer la mort? En fait. Confirmer la mort, le meurtre. Mettre les tanks à l'abri. Et lui... Ah, ça avait pas marché en fait. Et il y en a deux autres là-bas. Non, c'est tout.
Ils sont où les deux autres là? Là? C'est eux là? Là. Merde, j'ai cru que c'était un garde. Et là? Voilà. Bon, on peut se barrer, hein. Oh, j'ai gagné des trucs. Sympa, ça. J'ai gagné une ration. Bah, heureusement que je l'ai fait. Heureusement que je l'ai fait, en fait. Prendre le dragon. Allez, dragon. Il n'y a pas de lézard. Nous pourrons parler tranquillement là-bas. Nous avons combattu des années pour notre Windelderman. Maintenant, sa veuve veut nous voir morts. Voilà. Cinématique. Olé ! Soyez tous bénis. Grâce à vous, je vais pouvoir faire payer Edwin. Je suis le Feinholt. Gedrich est-il vivant ? Il est en sûreté, à Buckingham. Malheureux Fane, nous sommes à tes côtés dans ce combat, afin que ces terres restent aux mains de ceux qui aiment la Mercie, qu'ils soient saxons ou danois. Dieu sait que je préférerais voir ma fille mariée à un danois, plutôt que de vendre un de mes cochons à quelqu'un du Wessex. Si Gedrich est avec vous, je le suis aussi. On nous a dit que tu connaissais une sainte femme, Fulke. Où est-elle ? Ne pourrait-on oublier un peu Fulke pour se concentrer sur Edwin ? Fulke détient un secret qui pourrait retourner la situation. Sans elle, un secret ne peut mener à bien mon but. Fulke, la folle. Fulke, la folle. C'est un petit qui est folle. Dis-moi quel est ce secret. Tu vois, mon frère, ta mystérieuse Fulke a l'esprit dérangé. Folle ou pas, j'entends lui parler. Soyez conscient d'une chose. Fulke est une hérétique, une semeuse de savoir envenimée et une ennemie de l'Église. Elle prétend avoir vu ou parlé avec Dieu en personne. Pour cela, Edwin l'a fait enfermer. Mais j'ignore où. Dans un monastère, sûrement. Allons nous renseigner. Sigurd, ne faut-il pas avertir Gedrich de ce qui s'est passé ici ? Tu peux aller lui parler en mon nom. Mais nous devons faire vite. La vie de Fulke est peut-être en danger. Cette femme risque de nous faire perdre tout ce que nous avons gagné ici. Crois-moi, Eivor. Fulke est très importante. Tu le comprendras bientôt. Je l'espère. Nous avons un campement à l'est de Linforda. Un vieux port sur la Gretouze. Retrouve-nous là-bas. Nous, Fane, allons lever un fyrd et nous joindre à vous contre Edwin. Quel qu'en soit le coup. Porte cette nouvelle à Gedrich. Et dis-lui que nous serons prêts quand il nous appellera. Nous aurons besoin de chaque homme. Ok. Oh, attends. Hop là. On va retirer tous les marqueurs. Hop là. Et... Eh ben, let's go. Par là. Y a pas plus rapide? Bah si. Hop. Pas un seul soldat ici. Gedrich s'en est occupé. Elle est bien approvisionnée, c'est certain. Une belle capture, mon gars. Ah, ça n'a pas été facile.
pas capable de mener à cheval ? Un de leurs marchands de passage a dit que chez lui, ils avaient décapité leur roi pour demander la clémence des dieux après 3 mauvaises récoltes. Ah oui, maudit quand même. Païen. Des jarres d'huile, des traits d'espringales, du fourrage. Prenez ce qui peut servir et brûlez tout le reste. Gedrich. Eivor, les Seignes sont en vie. Jusqu'au dernier. Ils sont résolus à lever un Fyrd. Ils sont tous à tes côtés, Gedrich. Nous aurons besoin de tous les bras et de toutes les armes face à Edwin. Et ton frère et toi, vous êtes toujours à mes côtés. Tu parles sans détour, Gedrich. Ma hache est à toi, et celle de mon frère aussi. Edwin est allé poser sa croupe dans son château, mais elle ne manque ni d'hommes ni de vivres. Maudite soit-elle. Où sont ton frère et cet homme étrange ? Il continue à chercher cette femme, Fulke. Mon frère pense qu'elle l'aidera à envoyer Edwin au repos. Mais comment, je l'ignore. Fais ce que tu dois, Eivor. Je vais préparer les hommes dont je dispose à la bataille à venir. Je vais faire mouvement vers le château de Kinebel et amener le Fyrd en vue d'un assaut. La forteresse d'Edwin est solide. Est-ce que je peux faire quelque chose pour affaiblir son emprise sur le comté ? Ou l'inquiéter ? Ah, peut-être. Tu pourrais t'en prendre à ses portes-étendards, si tu en vois, et défendre mon Fyrd s'il est en mauvaise posture. Nous avons volé une part de son ravitaillement. Si tu trouves d'autres réserves comme celle-ci, détruis-les. Je le ferai. Quand tu seras prête à combattre, viens me retrouver près du château de Kinebel. Quand je vois des trucs comme ça, je les défonce. Ok. Plusieurs quêtes acceptées. Waouh, beaucoup trop de quêtes ce jeu. Il est très complet. Hein. Donc du coup j'ai compétence. 10 points à apprendre. On a quoi là? Frappe dans le dos. Flèche guidée. Ah oui. Ça c'est balèze par contre. Comment on utilise l'arc de prédateur. Moi j'utilise les petites flèches comme ça, tranquille. Cadavre explosif. Ah, je peux faire exploser un cadavre. Près de lui. Ok. Combo de l'arc de prédateur. Ouais. Frappe dans le dos, ça on l'a vu. Et quoi d'autre? C'est quoi? Tir chargé. Il y a que des trucs à l'arc? Attends, ça c'est quoi? Pillage de flèches. Ah bah ça c'est bien. Pointe de puissance. Bah ça c'est cool. Ça aussi. Butin comestible. Ok. Ok, ça c'est un sprint. Sprint qui défonce un peu les gars. Y a pas d'autres traits avec des aptitudes là. Frisson guerrier. Ça c'est bien. Voilà. Bah on est bien là. 88 de puissance, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Donc là, le village, il est safe. Apparemment, il y a un trésor par là. Allez le chercher. Hop. Pique la bouffe vite fait. Pilon, machin, tout ça. Ok. Ça doit être bloqué depuis l'autre côté. Oh, attends, elle est où la clé? Elle est où cette putain de clé?
Ah la voilà. Hop là. Et voilà. Oh, des moines. Hop là. Y a pas de garde, c'est dommage. Avec les gardes, tu peux c'est une bonne chose d'avoir quelqu'un faire un pour succès, mais requête à la morale discutable. Nous avons toujours besoin. On verra plus tard. Quand on aura fini le jeu, déjà, quand on aura fini le jeu, on aura déjà, je pense, bien joué au jeu. Notre cher Kaldoman. Eldoman. Ok. Ok. Y'a rien en fait. Y'a que de... Ah si, là, y'a un coffre. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Là. Tac. Et là, il y a rien. Il y a un truc de stuff quelque part. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Bah, il est dans l'église. Hein. Je vois pas où. Quelque part dans l'église. Et ben peut-être grimpette. On va grimpette pour voir. Ah oui. Je vois. Non, il n'y a pas de trou là. Mais en tout cas, on peut rentrer quelque part. Le coffre est là. Dedans. Je vois pas comment je peux rentrer. Il y a une trappe, peut-être. Ah.
il y a des escaliers. C'est quoi ce délire? Quoi? Ah! D'accord. Ok. Merde. Ah bah je m'en doutais, je peux aller tirer là-dessus. Je pensais pas que c'était ça. Oh oh. Ah ça c'est Charlemagne? Non, Clovis. Clovis. Je sais plus. Pax eterna est una via ad emundat. Est auvo win munda. On va y aller à pattes. On va en profiter pour prendre les petits trésors sur la route. Là, il y a encore des trésors. C'est pas vrai. Il en manque un. Comment ça, il en manque un? Là, il y en a un à 400 mètres. Non, mais c'est par là. Je vais pas aller par là. Et dans l'autre sens, il y en a un autre. Attends, je vais aller vendre des trucs. Déjà aller vendre des trucs. Chez elle, là. Hey, bienvenue. Il ne faut jamais ergoter sur les réserves. Oh, trop bien. Ceci te sera très utile. Titane. Putain, je peux vendre du titane. Oh, voilà une très belle fabrication. Je peux vendre les gemmes aussi. Qui me servent pas. Ça, j'en manque toujours. Voilà. Cela pourrait être très utile. Prends soin de toi, d'accord? Putain, j'ai plus de thunes. J'espère te revoir bientôt. Je pars. Porte-toi bien. Thank you.
J'ai plus une thune. Faudrait que je pêche du poisson pour le vendre. Flemme un peu, mais bon. Bon, là, je suis full mythique, hein, c'est ça? Ça, je peux l'améliorer. En Tordalmout. Ah, je peux mettre des gemmes, je suis bête, moi. Je vais mettre des gemmes. Des runes. Attends, parce que j'ai des stuffs qui ont des runes. Et je les ai pas enlevés. Voilà. Voilà. Il me manque une rune. Il m'en manque une. C'est déjà bien tout ce que j'ai là. Alors, pèlerinage à Saint-Alban. Saint-Alban. Codex, on s'en fout. Ma petite une. Fausse mort, tromper les ennemis en feignant d'être mort. Ah ouais! Ça c'est trop bien ça. C'est comment c'est? Tu te balades comme ça et hop! Ha ha.
hop, et tu te relèves. Ah. Ok. Bah c'est cool. Hein. Bon par contre, j'ai plus une thune. Ça fait chier. Un viking sans thune, c'est un peu la galère pour se payer une bière. Quoi. Donc, voilà quoi. Faut que je pêche du poisson. Du petit poisson. Hop là. Est-ce que c'est une rivière poissonneuse? On va le voir tout de suite. L'eau grouille de poissons. Ça, je suis pas si sûr que toi. Ah, il n'y en a pas. C'est quand il y en a qu'il faut les pêcher. Quand tu vois des trucs sauter en fait. On va récupérer les minerais. Y a pas un poiscaille, hein. Qu'est-ce qu'il fait, il se noie? Ma monture, elle se noie. Elle est au bout de sa life. Ah bah non, tant pis. Hein. Ok. Donc j'ai dit que j'y allais à pied. On va y aller à pattes. J'espère qu'il n'y aura pas de thune à donner. Hein, parce que j'ai pas de thune en fait. Putain, hein. Il y a des vaches. Des vaches. Qu'est-ce qui se passe? Ma dent de lion a fait s'effondrer du petit bois. Quelle sotte! Tout s'est mis à brûler. Je m'en suis sortie de justesse. Ta dent de lion? Ma petite chienne! Elle est toujours dans la maison. Je suis sortie, mais elle ne m'a pas suivie. Je vais la sauver! Ok, je vais mourir. Ok, c'est pas comme ça qu'on fait. Ok. Elle est dans la maison. Hop là. Dans de lion. Petit maman. Chien. Viens voir maman, petit chien. Il n'y a pas de chien. Putain, ok, d'accord.
Attends, on va regarder par la porte d'entrée. Hein. Y'a un chien quelque part? Ah, à l'étage peut-être, ok. Merde, je suis en train de cramer. Là-bas. Bah, je le vois pas en fait. Y a pas de chien. Elle se fout de ma gueule. Et là-bas. Là-bas, ouais. Là, je peux pas. Merde. Merde. Putain, qu'est-ce que je me fais chier pour un chien à la con. Qu'est-ce qu'elle raconte? En plus, il n'y a même pas de chien. Putain de merde. Par ici, ma fille. Putain de renard. Fichons le camp d'ici. Viens là, le renard. Hein. Allez, viens. Ta maîtresse est par là, dans le lion. De rester dans la maison en flammes, pas bien du tout. Elle a de la chance d'être en vie. Mon ami, je vais bientôt reposer dans les bras accueillants du Seigneur. Veux-tu bien t'occuper de ma petite chienne? Ce n'est pas une chienne, c'est une renarde. Une renarde? Oh, quelle sotte j'ai été! C'est pour cela que tu aimes autant la forêt, hein, Dent de Lion? D'accord, je lui trouverai okay. Quelque chose. Sois béni, je peux mourir tranquille. Adieu,
ma si jolie petite dent de... Ok. Sauvetage canon. Et du coup, le renard... Comment ça se passe? Il va me suivre partout? Je l'emmène dans la forêt. Le renard, il va me suivre partout? Attends, je vais l'emmener dans la forêt, là. Dans de Lyon, il faut te trouver un endroit où rester. Veux-tu rejoindre ma colonie? Bah ouais, du coup, ok. Bah, allez dans ma colonie. C'est quoi? C'est le renard qui bug, qui fait ce bruit-là ou... Je comprends pas. Je comprends pas. Parce que là je suis sur une autre quête hein. Je suis sur pèlerinage Saint-Alban. Sois mes yeux signe. Là. Ok. Il est où mon dragon? Voilà. Les gardes sont vigilants par ici. Près d'un vieux port. C'est sûrement le campement. D'après ce que j'ai appris sur Fulke, elle n'est pas avare de son savoir ésotérique. Quand on lui pose une question, elle répond à 10. Bien. Mais n'ayons pas l'air trop intéressés. Elle pourrait s'en servir contre nous. T'as été bugué. Et voilà Eivor. Ah! Tu tombes à point nommé. Fulke n'est pas loin d'ici. Elle est retenue au monastère de Saint-Alban, au-delà de cette courbe. Notre heure est venue, Eivor. Ceci va tout changer. Je me réjouirais peut-être si je savais qui est cette femme et pourquoi nous avons besoin d'elle. Je me suis assez expliqué. Pour l'instant, place à l'action. Tu n'as rien dit du tout. Tu veux seulement que je te suive aveuglément. Je veux lui parler. Moi, ton Jarl. Cette raison devrait te suffire. Mais pourquoi? Pour qu'elle jette un sort et transforme Edwin en crapaud? Fulke n'est pas la seule chose que nous trouverons ici, Eivor. Il y a aussi le trésor de Saint-Alban. Une valeur considérable. Tu peux voler tout l'or et l'argent que tu veux. Mais s'il n'y a plus de paysans à engager, ce métal ne te servira à rien. Tous les hommes de Mercy seront pressés d'affronter une femme vendue au Wessex. Eivor... Il fut une époque où tu me suivais sans poser de questions. Parce que nous nous faisions confiance. Tu savais alors que je ne t'entraînerais jamais dans une folie. Et que je n'engagerais pas nos vies sans avoir mesuré les risques. Est-ce que quelque chose t'empêche de m'accorder encore un tel crédit? En tant que frère,
en tant que parent. Sigurd, tu sais que je ne trahirai jamais ta confiance en moi. Je combattrai à tes côtés. Mais cette quête ne peut durer éternellement. Gedrich compte sur nous. Naturellement. Et nous l'aiderons bientôt. Viens. Saint Alban ne nous décevra pas. Il est célèbre pour ses trésors. L'avenir nous le dit. Ton ange pique la bouffe. Bon, bah très bien. Hop là. 611 mètres. Attends, il y a peut-être des poissons là. Hop, les poissons là. Pourquoi il veut pas? Regardez-moi tous ces délicieux poissons. Allez hop. Ça fait des petites pièces. Plus de sous. Obligé de pêcher. Hop là. Oh merde. Quel connard. On va se mettre là. Hop. Sur l'autre bateau, lui, là-bas. Hé, hey, mec! Qu'est-ce que tu fous? Non, on va pêcher là. Merde. Il était gros, c'est dommage. Ah. Oh, il est mort, ok. On peut pas le ramasser, si.
Ouais, il est énorme. Waouh. Grande perche. Manque pas de poisson par ici. Voilà. Une lotte. Oh, c'est un gros celui-là. Yeah. Grande perche. Et ben voilà. Déjà pas mal. Attends, il y a des lingots là. Ah mais il y a du monde. Ça va être relou. C'est qui a ça? Peu de choses. Elle semble être une sorte d'aventurière. Le Fane l'a qualifiée d'hérétique. Tant mieux pour nous. C'est lui. J'envie ton optimisme, mon frère. Si je peux l'attirer, lui, je le fume et je me barre. Voilà, on peut se barrer.
Alors, chevaux, ils nagent pas. Ok. Je l'ai buté ou pas? Bon, où est-ce qu'ils sont les autres? Bon, bah, ils me suivent pas. Je sais pas. Ils me suivent ou pas? Il est où le l'autre? Il est tout seul. Il est mort, mon frère. Mon frère est mort. Il est mort noyé dans la rivière. Ok, très bien. Ok, pas de problème. Faire le tour. Ah ah ah. Va, ma fille. Foncez, je dois passer de l'autre côté. Pas mêlé au moine là. L'autre côté doit être barricadé. Tout est barricadé là. Ouais, bah c'est pas possible. Faut grimpette. Là, y a quoi là? Non, y a rien, y a rien. Passer de l'autre côté. Attends, et si je casse ça? Non.
Tiens. Oh non. Est-ce qu'on l'aurait déplacée? Non, elle est ici, quelque part. Ah oui. Attends, parce que... Ça doit être bloqué depuis l'autre côté. Parce que moi j'ai un truc pour perforer. Aptitude perforant. Bah merde, y'a plus rien. Bon bah rip. Wesh, je sais pas. Je vois pas comment m'infiltrer là-dedans. Voilà là. Bon, là il y a des coffres, ok, mais Ah, là il y a une clé. Voilà, lui il a la clé, mais Je vois pas du tout comment je peux faire. J'ai fait tout le tour, wesh. Il y a aucune fenêtre d'ouverte. Comment se fait-ce ? Peut-être passer par un autre endroit, je sais pas. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça là, les barils? L'autre côté doit être barricadé. Et là,
Le butin ne manque pas. Avec l'aide de l'équipage, on devrait pouvoir le rapporter au navire. Oh, faut faire un... Non. Faut faire un assaut, en fait. Dans la crypte, il est possible d'attaquer certainement pour se préoccuper. Fulcan. Ça doit être bloqué depuis l'autre côté. Putain. Mec avec la clé là. Putain! C'est ouf en fait ça, on peut pas rentrer dedans. Comment tu veux? Comment tu veux faire? Y'a pas moyen de rentrer dedans. Ah si là. Ok, j'avais pas vu. Attends, non? Si? Attends. Ok.
C'est un beau butin. Mais je... vais avoir besoin d'aide. Ah, c'est là. Par ici. Enfin. Comme ça, Judas, je te remercie, Jésus bien-aimé, de la sagesse permettant de percer le voile de Sophia, de voir au-delà et par-dessus les mensonges de Yaldabaoth, de connaître le mystère premier, qui est le dernier mystère, qui est le 24e mystère. Ok, c'est un mystère. Qui ose pénétrer dans ce sanctuaire ? Ton sanctuaire pue la pisse et les larmes de sel. Comment oses-tu ? Nous sommes venus chercher la femme, Fulke. Inutile qu'elle vous embarrasse plus longtemps. La folle hérétique ? Ah, l'esprit de l'autogène a envoyé un ange me délivrer. Ouvre la porte. Ces hérésies doivent être punies. Pas par des Danois ou des Mahométans, mais par de vrais chrétiens. Réfléchis à ta situation. Nos mains sont déjà rouges du sang de tes gardiens. Ton dieu est-il assoiffé de martyrs ? Désire-t-il que tu meures toi aussi ? Tu soulèves un point de valeur. Puisse la prière me guider. Le Seigneur m'invite à accueillir tous les étrangers. Tiens, ami, prends la clé. Et emmenez votre curieuse camarade. Qu'est-ce qui se passe ? Alloué, Seigneur du Trésor de Lumière, pour cette occasion de délivrance. Oh, c'est Jeanne d'Arc ! Êtes-vous envoyé par les anges de sa classe ou par le démiurge autogène supérieur ? Je ne saurais répondre. Es-tu la femme appelée Fulke ? Je suis Fulke dans ce monde, et je cherche humblement la vraie nature de l'autogène. Et tu collectes les artefacts ? Les instruments des enfants de Sakla le Fou, oui. Je possède de nombreuses curiosités de ce genre. Détiens-tu une pierre polie ? Marqué de symboles inhabituels. Je te trouve bien étrange. Un capuchon, une tenue cachant une peau foncée, et cette lame démoniaque. Pourquoi est-ce qu'on traîne ici ? Des soldats vont venir. Derrière le monastère, il y a des écuries où nous pourrons parler en paix. Nous te suivons. Venez. Ah ! Attends-moi, Jeanne. Jeanne, au secours ! Voyons un peu. Depuis combien de temps te retient-on ? Plusieurs semaines. Peut-être un mois. Pour tes prétendues hérésies ? Des hérésies, oui. J'ai eu la chance de découvrir de nombreux objets profanes au cours de ma vie. Des objets qui attestent des œuvres du démiurge, le faux dieu vénéré par ces imbéciles en robe. J'ai trouvé de telles reliques en Germanie et en Francie, mais également ici, en Angleterre. Dame Edwin les dit blasphématoires, mais elle a l'esprit embrumé. En vérité, ces objets ont une valeur immense. Et peut-on les voir ? Si vous désirez connaître la vérité de vos origines, je vous les montrerai dès aujourd'hui. J'aimerais beaucoup, oui. Je te suivrai où tu iras. Je te suivrai où tu iras. La vie sera roi. Peu importe. Fulke est la gardienne d'objets de grande valeur. L'un d'eux pourrait me révéler ma vraie nature. Ta vraie nature ? Mais tu as parlé de victoire.
de triompher d'Edwin. Savoir que je descends d'anciens dieux est une victoire. Cela me donnerait autorité sur ces terres. Des origines divines. Par l'œil d'Odin, mais qu'est-ce que tu racontes ? Fulke, nous avons appris que tu possédais une pierre profane avec d'étranges inscriptions et l'image d'un arbre. En effet, je lui ai donné le nom de Pierre de Saga, car elle est arrivée ici avec le Danois Ragnar Lodbrok. La détiens-tu ? C'est le soleil et la lune de tous mes objets sacrés. As-tu l'intention d'acheter et d'échanger cette pierre contre une alliance ? Ou davantage de guerriers ? Servira-t-elle à autre chose qu'à flatter ton orgueil ? Eh bien, peut-être devrais-je vous laisser régler vos différends tous les trois ? Nous sommes unis. Nous souhaitons seulement voir la pierre et lire les runes qui y sont inscrites. Personne n'est capable de lire ces runes. Elles relèvent d'une langue inconnue et probablement morte depuis longtemps. En ce cas, il n'y a aucun risque à nous les montrer. Aucun, non. Sois loué, ô Autogène, pour avoir envoyé ces trois-là me délivrer de mon châtiment. Aucun dieu murmurant ne m'a conduite ici, Fulke. Je suis venu seul. Tu es venu parce que je te l'ai demandé, Eivor. Ils ont parlé à travers moi. Tes paroles me donnent le vertige, Sigurd. Et vous me fascinez un peu davantage à chaque instant qui passe. J'ai confié la garde de la pierre de Saga à mon acolyte. Êtes-vous prêt à aller la voir ? Plus on verra ce caillou, mieux ce sera. Allons-y. Aborde cette pierre l'esprit ouvert, Eivor. Tu risques de la trouver plus intéressante que tu ne l'imagines. Viens avec moi, Eivor. Écarté du droit chemin. Qu'est-ce qui te fascine tant dans cette pierre, Fulke ? La pierre de Saga nous vient d'une antique race, d'une génération de dieux inférieurs, comme tous les artefacts que je collecte pour mon église. Tu as prié Jésus le Christ dans ta cellule. Ton église n'est pas celle de Rome, comme pour ces Saxons ? Ces Saxons croient au Christ rédempteur. Moi, je connais sa vraie fonction. Christ l'éducateur, le détenteur du savoir secret. Et c'est pour cela qu'Edwin te méprise ? Pour avoir professé cette idée ? Oui. Les chrétiens, comme elle, et comme Elfred, croient que le Christ est venu sur terre pour nous laver de nos péchés. L'église romaine s'est laissée berner par les mensonges de sa classe, ou Yaldabaoth, le démiurge multiple nom, un dieu inférieur. Sa classe et les siens ont, en leur temps, détenu la sagesse, mais ont perdu de vue le vrai dieu, l'autogène, le seigneur du trésor de lumière. C'est pour cela que cette Edwin m'a fait emprisonner. Ce qu'elle appelle hérésie est en réalité la véritable nature de l'univers. Ta saga est bien étrange, Fulke. Et elle est encore bien loin d'être achevée. Soyez sur vos gardes. On nous observe. Attention. Notre présence déplaît aux villageois. Ils sont sûrement les yeux et les oreilles des druides. Fonce comme le vent, Gripoil. Quelle est donc cette tour ? Une ruine du passé romain de cette île. Mon acolyte l'a trouvée ainsi, à l'abandon. Il s'y est réfugié après avoir été chassé par l'évêque pour avoir enseigné les vérités qui m'ont valu d'être enfermé. C'était un prêtre ? Oui, et il l'est tous. Les évêques.
Les évêques d'Angleterre sont simplement trop lâches et trop obtus pour comprendre le savoir secret que nous détenons. De Paul, tu es là? L'endroit a été mis à sac. Basim, monte la garde dehors. Ceci est l'œuvre d'Edwin. À n'en pas douter. La pierre est à l'intérieur? J'ai demandé à Paul de bien la cacher. Mais j'ignore à quel endroit. Un passage. Ce doit être là. Oh Dieu. C'est lui, Paul, ton acolyte. Et mon meilleur ami. Puisses-tu vivre en ne faisant qu'un avec le vrai Dieu, dans le trésor de lumière. Ton ami a payé cher sa loyauté. J'imagine qu'il gardait la pierre. C'est l'œuvre des hommes d'Edwin. Ils ont tué frère Paul et emporté ma pierre. Toi, toujours à poser des questions, à douter de mes choix. Tu nous as retardés et j'ai raté ma chance. C'est la faute de Basim. C'est pas ma faute. Voilà, c'est pas ma faute. Basim te farcit la tête de fausses prophéties. Il te mène comme un chien enchaîné. Basim m'a montré tant de choses. Il connaît mon esprit. Il... Assez, tous les deux. Vous entendez? Des soldats. C'est Edwin. Oula. Comment osez-vous ainsi fouler mes terres, Danois ? Attends, Eivor. Parlons d'abord. Dame Edwin, une pierre a été retirée de cette tour, portant des runes. Et l'image d'un arbre. La connais-tu ? Oui. C'est l'un des objets impies de ces hérétiques. C'est pour elle que vous êtes là. Nous sommes là pour un marché. Cette pierre contre une promesse de paix. Qu'est-ce que tu dis ? Gedrich avait notre parole. Rends-la-nous ! Et alors nous quitterons à jamais tes terres ? Pour l'avoir, il faudra m'offrir la tête de Gedrich. La pierre est à portée de notre main. Nous avons promis, mon frère. Mon frère. Alors, marché conclu ? On accepte ! Bien ! Non ! Sûrement pas ! Eivor ! Non ! Tuez-les ! Quelqu'un en réchappe ! Eivor ! Tu as perdu l'esprit ! Nous avons une autre chance. Nous allons à Ivor. Je ne verrai pas. Il y en a d'autres ? Oh la vache ! Ok. Attends, ceux-là ils sont rapides. Oula ! Suivez mon exemple.
soit ainsi. Par ici, les gars. Voilà. Merde. J'avais pas vu lui là-bas. Putain de bâtard. Eivor, espèce d'idiote. C'était l'occasion de reprendre la pierre sans verser de sang. Je ne trahirai pas Gedrich. Ce n'est pas à toi d'en décider. Mes promesses sont forgées dans l'honneur, et je les tiens. Ton serment premier est envers ton Jarl, le Jarl Sigurd, ton frère et maître. C'est un point de vue, Basim. Je pense qu'il y aura d'autres occasions. Nous pouvons tenir nos promesses et trouver cette pierre ensemble. Edwin va rejoindre son château. Si tu veux ta pierre, c'est là qu'elle sera. La pitoyable armée de Gedrich n'en franchira jamais les murs. Nous aurions pu prendre la pierre avant de monter un siège. Cela a toujours été notre plan, Eivor. Je n'avais nullement l'intention de trahir Gedrich. Cela était ton plan. Mais pourtant, tu as jugé préférable de me laisser deviner tes élucubrations. Tu n'es pas toujours digne de confiance. Tu te laisses déborder par la passion. Je le sais. Mon père le savait. Et ton père le savait. Reste là à t'apitoyer sur ton sort, mon frère. Moi, j'ai une promesse à tenir, et je compte le faire. Tu te surestimes beaucoup, Eivor. Tu n'as pas la sagesse d'Odin. Basim. Le différend qui t'oppose à ton frère est impressionnant. A-t-il toujours été aussi enfiévré? Toute ma vie, nous avons agi ensemble, comme une vraie fratrie. J'ai toujours su ce qu'il pensait, et lui aussi, jusqu'à aujourd'hui. Ma foi, le temps fait de nous tous des idiots. Tu t'es bien battu aujourd'hui, Fulke. Veux-tu combattre à mes côtés? Pour empêcher Edwin de contrôler ce comté? Oui. Gedrich m'a demandé de gêner son approvisionnement. Sais-tu d'où viennent ses vivres et son équipement? À l'est d'Oxenforda, au sud de la villa de Lee, il existe un endroit appelé la Grange d'Eaton, où des marchands commercent avec les soldats. On se retrouve là-bas. J'y serai bientôt. Sigurd, okay. Mon frère, tu es en perdition dans une tempête que tu as créée. Les défenses d'Edwin sont affaiblies. Mais je peux en faire plus avant de rejoindre Fulke. Let's go! Bon, on va s'arrêter là? Monsieur Dame! Monsieur Dame, on va stopper là. Et du coup, on continuera plus tard! Ouais, ouais, ouais! Ciao, 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 ciao! Bella, ciao! Bonne soirée.